Bonjour les amis, nous sommes le 4 janvier 2023. Et oui, nous avons trouvé le Messie. En tout cas, c'est ce que Jean, dans le chapitre 1er, nous dit au verset 35 à 42. Nous avons trouvé le Messie. Qui cherchez-vous, demandera Jésus aux disciples qui suivaient jusque-là Jean le Baptiste. Cette question, il nous la pose à chacun de nous, encore. Il commence pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Seulement, quelques personnes vont répondre à cette question valable du temps de Jésus, mais aujourd'hui encore. Bref, pour une seule et unique raison, si la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, hélas. Le problème est ici pour l'Église d'hier, comme pour celle de nos jours. Comment répondre à ce problème qui, depuis le début, demeure? Les appelés sont nombreux, les volontaires sont nombreux. Mais dès que les difficultés apparaissent, alors là, les brebis prennent la fuite. Dès que le monde s'oppose à l'œuvre de Dieu, les témoins s'évanouissent et fondent comme la neige au soleil. Ils ont vu. Ils ont été visités, ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Ils ont entendu, mais leur cœur était un sol sec, dur, voire rempli de ronces. Et les œuvres de Jésus n'ont pas pu pénétrer en eux. Les semences sont tombées sur une terre non préparée. Malheureusement, cela était déjà le cas du temps de Jésus. Mais aussi de nos jours. Si les disciples avaient compris qu'ils devaient suivre Jésus, quelques-uns seulement vont tout quitter pour le suivre. André, le premier, déclarera « Nous avons trouvé le Messie ». Et nous, avons-nous trouvé le Messie dans nos vies? Le Messie de nos vies même. Avons-nous conscience de ce trésor qui est là, à la portée de notre main? Oserons-nous déclarer, comme André, à son frère Simon, nous avons trouvé le Messie? Un jour, j'ai eu le sentiment que le monde s'écroulait sous mes pieds. Alors que j'étais en train d'adorer le Seigneur Jésus devant le Saint-Sacrement, je pleurais car j'étais triste. Là vient s'asseoir à côté de moi un jeune trisomique et sans prétention, il me lâcha cette phrase et ce regard. « Pourquoi pleures-tu ?» Moi, j'étais encore très fier. Je lui ai répondu que ce n'était pas grave, que cela passerait dans un moment. Bref, j'ai essayé de répondre à une personne qui n'était pas à ma hauteur. Si j'avais pu lui dire autre chose de plus expéditif, je crois que je l'aurais fait. Mais une forme de retenue m'a empêché d'être vulgaire. Mais cela m'a valu une deuxième réflexion de mon voisin. Je ne comprends pas pourquoi tu es triste. Car tu as Jésus qui est devant toi. Inutile de vous dire que ce jour-là, j'ai compris. Il me fallait faire preuve. Car là, je venais de comprendre qu'à cause de mon orgueil, je prétendais connaître Jésus. Mais en fait, mon voisin, lui, le connaissait mieux que moi du haut de mes certitudes. Ce jour-là, je me suis fait la promesse de ne jamais refuser la moindre réflexion, la moindre remarque d'une personne dite pauvre d'esprit par le monde et par moi avant ce jour. Depuis, je cherche à plaire à ce Jésus en accueillant tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur personnalité. Je ne refuse jamais une remarque qu'ils me font, même si parfois ces dernières peuvent être douloureuses à entendre. Parfois, certaines vont dire avec des mots blessants, mais elles expriment ce qu'elles vivent. Je me dois de les écouter et de voir en elles la présence de mon Seigneur qui me reprend
Nous avons la possibilité de voir les réflexions de ceux qui nous entourent comme agressives, mais nous pouvons entendre chacun d'eux comme un appel à aimer dans ses paroles. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, nous disait Sainte Thérèse de Lisieux. Aimer, c'est écouter, c'est entendre. Entendre, c'est communiquer, et communiquer, c'est échanger, échanger, c'est partager. Partager, c'est aimer. Aimer, c'est donc Jésus. Oui, frères et sœurs, plutôt que d'être blessés par les paroles, accueillons-les comme une correction fraternelle de notre Seigneur Jésus, qui veut que nous soyons parfaits, comme notre Père est parfait, afin de suivre le Messie. Père Saint, donne-moi un cœur qui confesse que tu es mon Père. Accorde-moi de vivre de cette révélation que Jésus est le Messie. Père, que dans ce jour, mon cœur cherche à te plaire en toutes circonstances. Je veux être à toi plus que tout au monde. Père, je m'abandonne à toi pourvu que ta volonté se fasse en moi. Père, très bon, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux entendre tes commandements. Je veux vivre de ta parole. Je veux être ton saint serviteur. Je veux t'appartenir. Père, suscite en moi beaucoup d'amour pour mes frères, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur vie. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi, maintenant et pour toujours. Amen.